ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront à terre mon héritage. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront Bonjour. Quelle question je vais vous poser? Est-ce que ça va? Vous avez bien dormi? Il se peut que non. Certains ont le droit de dire non. Hein. C'est pas oui à chaque fois, c'est pas ça va à chaque fois. Je comprends que ça puisse ne pas encore aller. Mais ça va aller, vous allez voir. Ça va aller aujourd'hui. Alors, tel que nous sommes, peut-être fatigués, peut-être encore soucieux, c'est pas grave. Hier soir, on a entendu que ce n'était pas un obstacle à la grâce de Dieu. Donc, ne nous focalisons pas sur ce qui nous gêne encore, fatigue ou souci. D'accord? D'accord avec moi? On y va. Le Seigneur va passer comme nous sommes aujourd'hui, ce matin. Et les soucis, on va les mettre de côté et on va louer. Ça veut dire quoi, louer? On va se tourner vers Dieu pour qu'il nous parle et que nous lui parlions. C'est la politesse, non? De se tourner vers quelqu'un quand on lui parle. C'est ça la louange. Et en se tournant vers Dieu, eh bien, on fait un mouvement de conversion.
la louange est une étape de conversion. C'est important quand même, c'est pas un petit moment pour se chauffer, pour échauffer la salle, comme on dit. On se tourne vers Dieu, c'est pas rien quoi, c'est pas rien. Alors on va le faire tous ensemble, tel que nous sommes, et je vous invite peut-être, pour ceux qui le veulent, à sortir de vos rangs, hein, parce que vu d'ici, ça fait un peu scolaire quand même, hein, ça fait un peu chacun dans sa case. Hein. Alors je vous invite très librement à venir remplir l'espace devant, hein, et puis de façon à être plus à l'aise, avoir plus de place, et puis on vous invite aussi à vous laisser exprimer votre joie. La joie de quoi? Mais non, j'ai plein de soucis. Quelle joie? J'ai pas encore de joie. Mais si, la joie de connaître le Seigneur et d'être là aujourd'hui. C'est ça la louange. On est content que Dieu soit Dieu, un Père qui m'aime, et je suis content d'être là. Donc je vais l'exprimer. Alors on vous invite tout de suite à venir remplir l'espace, si vous voulez, et à exprimer très librement cette joie profonde qui nous habite. Joie profonde qui nous habite. D'accord? Voilà. Merci. Et nous allons rentrer dans cette louange maintenant. Ben oui, avançons. Alors nous aussi, on va avancer, vous voyez. On ne va pas rester dans nos cases. Bonjour. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'une traduction, for those of you who need translation in English, please meet Alexis here, who's going to give you all the material to have the translation. Pour ceux qui ont besoin de traduction, veuillez rejoindre Alexis qui est ici et qui vous donnera le matériel. Thank you. Alors, on tape dans les mains si on veut. Si on ne veut pas, on ne tape pas dans les mains. Mais c'est conseillé, vous allez voir, ça fait du bien. On peut lever les mains si on veut, on peut ne pas les lever si on ne veut pas. On est libre ici, d'accord? Voilà. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Page 61. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, que le royaume est là, voici pour vous le sauveur. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, que le royaume est là, voici pour vous le sauveur. Je vais l'aider.
Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions parce qu'avec notre pauvreté, tu es là et tu viens remplir nos cœurs de ta louange. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire pour nous aujourd'hui, dans notre pauvreté, dans notre faiblesse. Nous sommes des pauvres de cœur, mais c'est avec ce cœur pauvre que nous voulons te louer ce matin. Merci. Merci Seigneur, parce que nous sommes tes bien-aimés, tu viens de nous le dire, et telle est notre joie. Nous voulons vraiment recevoir ton amour en te louant ce matin. Gloire et louange à toi. Page 73. Cette louange entraînée par ce chant, par simplement des intentions toutes simples, voyez.
Merci Seigneur pour ce soleil d'aujourd'hui qui nous réchauffe l'atmosphère et le cœur. Gloire à toi Seigneur. Et je vous invite chacun à votre place, eh bien, soit dans le silence de votre cœur, mais c'est mieux à haute voix, d'exprimer quelque chose de remerciement envers Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci d'être là Seigneur. Merci pour ce que tu prépares pour cette journée. Gloire à ton nom Seigneur. Merci. Gloire à toi Jésus. Merci. Voilà, j'ai une image de... C'est le temps des moissons et le soleil d'aujourd'hui a fait mûrir les gerbes et vous ressemblez à une grande... Nous ressemblons à une grande gerbe de blé avec des coquelicots, des bleuets. On est tous un peu différents, mais voilà, cette gerbe est bien liée par l'Esprit du Seigneur et le Seigneur veut peut-être nous dire par cette image que nous sommes tous emportés avec lui dans cette session. Il n'y a personne qui est laissé de côté et c'est par la fraternité, que nous sommes liés. C'est lui qui nous donne cette fraternité. Merci Seigneur de nous emmener dans la session. Merci pour l'élan Seigneur que tu nous as donné en veillée hier soir. Gloire à toi Seigneur, merci. Merci. Page 72. Nous voulons te chanter Seigneur avec tout notre être, avec notre bouche. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur.
sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué, pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Mon âme, mon cœur est débordant d'amour pour chacun de vous. Je fais couler maintenant des fleuves d'eau vive. Je veux vous attirer à moi. Je veux vous attirer sur mon cœur brûlant d'amour pour vous. Venez, mes enfants chéris, laissez-vous aimer par moi. Ouvrez vos cœurs. Laissez-moi entrer. Je vous aime. Merci Seigneur pour cette proposition que tu nous fais maintenant, par cette parole. Seigneur, nous nous sommes tournés vers toi, nous sommes face à toi dans notre cœur. Nous voulons parler avec toi, Seigneur, nous voulons que tu nous parles encore. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de ton aide. Nous avons un grand désir, une grande soif de toi ce matin. Viens, Esprit Saint, encore dégager notre cœur de tout ce qui l'encombre, afin que nous puissions converser avec toi, maintenant, dans un cœur à cœur, par ta parole, par les charismes que nous allons exprimer chacun. Viens, Esprit Saint. Page 408. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon.
esprit de feu, Seigneur, louange à toi. Dans Matthieu, au chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit à travers cette parole qu'il sait tout ce qui nous pèse, tout ce qui est une épreuve pour nous, tout ce qui nous afflige peut-être en ce moment, personnellement, familialement, ou peut-être aussi dans la société. Toutes les épreuves de notre monde, il les connaît et il en est tout autant affecté que nous. Voyez, ici à Parelmonial, Jésus nous révèle qu'il a un cœur et qu'il a un cœur d'homme, c'est-à-dire un cœur sensible. Et quand nous souffrons, eh bien, il en est affecté profondément, voyez. Et donc, il a à cœur nos propres intentions. Il a à cœur ce qui nous blesse, ce qui est lourd pour nous. Et donc, n'hésitons pas à lui déposer, à lui remettre tout cela, parce qu'il a la puissance de tout transformer par sa grâce, de nous donner des cœurs légers, de nous donner une nouvelle espérance, là même où nous croyons que tout est sans issue, voyez. Le Seigneur nous ouvre un avenir et une espérance. Pouvons lui rendre grâce. Je repensais à la première image que nous avons reçue, que nous étions une gerbe, vous vous souvenez ? Une gerbe que le Seigneur liait tous ensemble sur ce chemin de sainteté sur lequel il nous invite. Alors une gerbe, ça fait un paquet, quoi. Mais dans une gerbe, il y a une fleur ou un épi. Nous sommes tous des épis, hein, nous sommes des personnes. Et le Seigneur, à la fois, il fait une gerbe de nous tous ici présents, et à la fois, nous sommes chacun un épi particulier avec qui il veut avoir une relation personnelle. Hein. Et il nous mendie une relation personnelle. Il veut avoir une relation personnelle avec nous. Et ce temps privilégié que nous vivons ici, qui est court, 3 jours, hein, c'est un temps privilégié pour renouer ou nouer cette relation avec lui. Et il l'a mendie. Il l'a mendie. Alors, laissons-nous faire, mais ouvrons notre cœur à cette invitation du Seigneur qui a été faite tout à l'heure par une parole au début de la louange. Il a besoin de vivre avec nous. Il est amour, et l'amour se vit à deux. Et Dieu a besoin de chacun de nous. Et vous voyez, ce n'est pas les fardeaux de la vie qui vont être un obstacle à ça. Il n'a pas dit je supprimerai vos fardeaux. Il a dit je vous soulagerai. C'est-à-dire que ces fardeaux font partie. Il n'en est pas responsable. Font partie de la vie, ces fardeaux. Mais le Seigneur nous propose de les porter avec nous et de nous soulager. Et ce n'est pas eux qui vont empêcher Dieu de nous aimer et de manifester son amour pour nous.
Alors voyez ces fardeaux, eh bien, n'en faisons pas une montagne, portons-les avec lui. Et nous avons la chance de connaître la Vierge Marie qui va nous aider à confier ces fardeaux à Jésus, son fils. Elle le connaît bien et elle va servir d'ambassadrice. C'est la meilleure ambassadrice par rapport à Jésus, entre Jésus et nous. Voilà. Alors on va lui confier cette journée à la Vierge Marie, qu'elle prie pour nous, pour chacun de nous et pour nous tous ensemble, pour que cette journée soit vraiment une étape sur notre chemin de sainteté. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Restons dans ce climat de prière. On va avoir un petit temps d'annonce, le plus court possible, mais que chacun se sente responsable de ce climat de prière que cette louange nous donne en ce début de journée. Bonjour à tous. Alors, dans quelques instants, nous allons avoir la messe suivie de l'enseignement. Les enfants seront à récupérer au terme de l'enseignement. Je vous rappelle que les enseignements ainsi que tout ce qui se passe sous la grande tente, les enseignements sont enregistrés et ils sont à votre disposition par la suite dans la tente librairie ou en replay sur le site internet Paré Online. Ainsi d'ailleurs que le texte de la méditation que nous avons eu hier soir à la veillée. Ensuite, nous nous donnerons rendez-vous cet après-midi, ici, dans la grande tente, à 14h30, pour la présentation de la démarche jubilaire qui vous sera proposée cet après-midi, dans le cadre de l'année de la miséricorde. Cette démarche jubilaire pourra être faite seule ou en famille. C'est la raison pour laquelle, cet après-midi, il n'y aura pas de service enfant et pas de service ado. Ensuite, nous pourrons avoir les vêpres à 18h30 à la chapelle de la Colombière et donc la veillée à partir de 20h30. Comme il a été dit hier soir, nous vous rappelons que certains témoignages que nous allons avoir dans la veillée de ce soir peuvent être difficiles et ne sont pas forcément adaptés aux petits, aux enfants. Donc nous vous invitons à faire ce qui vous sera possible sur les lieux de logement pour vous organiser pour les y laisser en mettant en place peut-être des babysitting avec vos voisins. Voilà, nous vous invitons à être vigilants sur cette question. À savoir également tout ce qui vous pourrez trouver des annonces diverses pour des babysitting ou des bourses aux voitures au village mission derrière là-bas. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui ont déjà pris des petites cartes de service. Donc merci beaucoup, vraiment, c'est important. Et il nous manque encore des bonnes volontés, il nous manque encore des pèlerins en service, notamment pour le repas de ce midi. En fait, il manque une vingtaine de personnes pour le service self, pour aider à donner les plats dans les chaînes de self. Donc si une vingtaine de personnes voulaient bien se dévouer au service, le rendez-vous est à 11h45. Si une vingtaine de personnes voulaient bien lever les mains...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parfait, merci beaucoup. Donc rendez-vous au self à 11h45. Et il nous manque également 8 personnes pour le service vaisselle cuisine. Donc pour ce midi également, pour que la boutique tourne normalement, si 8 personnes voulaient bien se dévouer à ce service. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, merci beaucoup. Rendez-vous à 12h30 à la tente cuisine derrière. Vous allez bien ? Bon, tant mieux. Alors, je me présente, je m'appelle Joseph, je suis libraire et tous les jours, je vais vous parler de la librairie qui est juste sur votre droite. Voilà, c'est la librairie des sessions. Autant vous dire que c'est une caverne d'Ali Baba. Vous y trouvez à peu près tout ce que vous voulez en livres, CD, DVD, objets, icônes et compagnie sur plein de thèmes différents. Et puis chaque jour, je viendrai vous présenter quelques ouvrages. Et on aura aussi des auteurs. Ça vous va ? Oula. Alors, j'ai ce qu'il vous faut pour vous réveiller avec le nouveau CD de la collection Il est vivant. Éternel est à miséricorde. La collection Il est vivant, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une collection de CD, de chants de la communauté de l'Emmanuel. En gros, ce que vous venez de vivre avec la louange et ce que vous allez vivre tout de suite avec la messe. Vous avez une soixantaine de CD, pardon, et le nouveau de cette année, c'est Éternel est à miséricorde. Donc, pour que ça swing chez vous, vous savez ce qu'il vous faut. Ensuite, trois pépites avec Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, on dit que c'est la plus grande sainte des temps modernes. Elle a inspiré Vatican II, elle a sans doute inspiré l'Évangile eux-mêmes. C'est tout simplement trois poches, prix poche, format poche, histoire d'une âme, son autobiographie qui a vraiment bouleversé des tonnes de vies, tout simplement. Poésie et prière, et puis le nouveau de cet été, les plus belles lettres. Voilà, Sainte Thérèse de Lisieux. Histoire de plonger dans la miséricorde. Sans transition, rubrique porno du jour, avec Libre pour aimer. Ça, c'est un livre événement. Éric Jacquinet, prêtre de son état, a réuni des psychologues, des addictologues, des médecins, des philosophes, etc., pour construire un parcours pour sortir de la pornographie. J'ai pas besoin de vous faire un constat, c'est un fléau, mais voilà la solution. Alors pour tous ceux qui auraient une petite gêne à passer en caisse avec ça, eh bien deux choses, n'ayons aucune gêne. Si vous êtes accro, bravo de prendre les moyens d'en sortir, félicitations. Et si c'est pour un ami, merci pour lui. Donc hashtag zéro complexe, libre pour aimer. Ensuite, la rubrique enfant. Alors ça c'est une collection de vies de saints à suivre. Vous avez plusieurs vies de saints, on commence avec 4 saintes cet été, mais il y en aura d'autres par la suite. C'est des vies de saints un peu différentes d'habitude. Évidemment, vous avez la vie du saint, le récit, mais également des coloriages, des jeux, des prières. Voilà. Et vous avez, pour l'instant, vous avez Sainte Bernadette de Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Anne Dorée, et puis la production locale, Sainte Marguerite Marie. Et enfin, nous avons la joie d'avoir à la librairie plusieurs auteurs par jour. Aujourd'hui, nous en aurons 3. Le premier, c'est Jean-Louis Fradon. Il ne vous aura pas échappé qu'on est dans l'année de la miséricorde. Eh bien, il vous propose un super portrait spirituel de Sainte Faustine, l'évangile de la miséricorde. C'est à la fois un portrait spirituel et à la fois une introduction au petit journal, Pagna de Barthès, de Sœur Faustine. Alors, vous avez aussi Jean-Louis Fradon qui est à la librairie de 17h à 19h, mais il vous propose aussi un livre sur une future sainte de l'Église avec Élisabeth de la Trinité. Et puis, dernier rencontre-témoignage, dédicace aussi, évidemment, avec Gaëtan et, je ne sais plus son prénom à lui, et à elle, Céline Marion, voilà, qui vous propose un livre autour des méthodes naturelles. C'est un livre de témoignage. Ils ont osé les méthodes naturelles. Voilà, donc merci à vous. La librairie ouvre de midi à 21h tous les jours, donc vous avez le temps de venir trouver des trésors.
Bonne journée et à bientôt. Merci. Nous avons aussi évidemment le carnet de chant et le supplément du carnet de chant qui sont à la librairie aussi. Merci.